que la sécurité alimentaire du consommateur est très importante. Et la boulangerie peut être un vecteur pour assurer une sécurité alimentaire des Sénégalais pour une nourriture saine. Le pain est un aliment énergétique. Dans la boulangerie sénégalaise, nous avons fait de nouvelles introductions de nos céréales locales dans la panification. Vous pouvez avoir le pain niébé qui regroupe beaucoup plus de protéines. Le pain fogno qui est important surtout pour les diabétiques. Le pain nebedaï, le moringa. Autant de produits que vous voyez ici qui peuvent permettre aux Sénégalais une nourriture saine et de qualité. Avec la création de nouvelles industries de transformation de nos céréales qui va créer des emplois et un link avec les boulangers, non seulement pour leur permettre de mieux communiquer sur une meilleure sécurité alimentaire de la population et aussi pour assurer notre santé. Je pense que ce forum est une occasion pour démontrer tout cela. Ces pains à base céréale locale ont un aspect organoleptique très important. C'est pourquoi nous poussons les Sénégalais à essayer et surtout les boulangers à y faire. Mais aujourd'hui, il y a un obstacle. La disponibilité en farine de qualité. C'est important de créer des nouvelles industries de transformation de nos céréales locales. Vous créez des emplois, mais vous donnez aussi la possibilité aux boulangers d'acheter la farine de mil, de maïs, de thierry, de niébé, de moringa, pour permettre à ces boulangers de pouvoir satisfaire la population. Il faut que les Sénégalais aujourd'hui changent d'habitude alimentaire pour non seulement permettre notre balance commerciale à mieux fonctionner, créer des emplois, mais surtout assurer notre santé qui est importante. Consommons nos produits locaux, nous allons appuyer l'économie du Sénégal. Ça pour